Shalom uvracha, mes chers amis. Comment ça se fait qu'à Rosh Hashanah, le soir de Rosh Hashanah, nous faisons des bénédictions et demandons à Kadosh Baruch Hu de nous donner de l'abondance comme les poissons, de nous donner des mitzvot, de nous donner des choses qui sont matérielles, alors qu'on sait très bien qu'il y a un Zohar qui est clair, qui est marqué dans les tikkunim, que quelqu'un qui demande à Rosh Hashanah, eh bien, la parnassa, qui demande de l'argent, eh bien, Dieu les compare comme des chiens qui disent « Ah, waouh, donne-nous, donne-nous, donne-nous !» Alors que ce n'est pas ça l'essentiel de Rosh Hashanah. L'essentiel de Rosh Hashanah, c'est la spiritualité, pas la matérialité. Alors que vous nous dites que c'est marqué clairement dans le paracha, dans la Gemara de Kritut, d'Avav, voici les simanim, voici les choses qu'on doit faire à Rosh Hashanah. On doit faire des grenades, la pomme trempée dans le miel, toutes ces choses-là. Donc, c'est une contradiction entre le Zohar et la Gemara. Comment arriver à cette contradiction? Il y avait une fois quelqu'un qui est venu, qui a téléphoné à son Rav. Il lui dit « Rav, écoutez, j'ai un problème. » Alors, je sais qu'il est 3h du matin, mais j'ai un très grand problème, l'Orlenou. Mon fils, je l'ai amené à Hadassah, il avait mal à la tête et il avait quelque chose dans la tête et ils ont dit qu'on ne pouvait rien faire. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne suis pas docteur. Oui, je sais que vous n'êtes pas docteur, mais je veux que vous m'ameniez voir le Rav Kanievski. Il n'y a pas de problème, demain à 7h, je viens te chercher, on va au Netz, après on va prier avec le Rav Kanievski. Ils vont le lendemain matin, ils prennent la voiture de Beth Shemesh jusqu'à Bnei Brak, ils arrivent à Bnei Brak, ils prient avec le Rav Kanievski. Le Rav Kanievski lui dit « Vous avez amené l'enfant ?» Il dit « Non, on n'a pas amené l'enfant. » Il dit « Amenez-moi l'enfant. » Il sort de l'enfant de l'hôpital, il l'amène chez le Rav Kanievski et le Rav Kanievski, il regarde l'enfant, il dit « Qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand ?» Eh bien, le Rav Kanievski, l'enfant, il lui dit « Je veux devenir comme toi. » Il dit, quoi, tu veux étudier la Torah? Il dit, oui, je veux étudier la Torah, je veux devenir comme toi, je veux être un lomet Torah, quelqu'un qui étudie la Torah. Il dit, extraordinaire. Maintenant, il a dit à ses parents, il a dit à sa femme, amène-moi le vin de, comment on appelle ça, du Sioum, de la fin de la Torah. Le Rav Kanievski finissait toute la Torah tous les ans, finissait tout le Shulchan Aruch, tout le Zohar, tout le Baruch Hashem. Et Bekitsur, il arrive, il lui donne un petit vin, Shabore Pere Geffen, il dit maintenant retournez à l'hôpital et demandez-lui qu'il vous fasse un CT. Qu'il lui fasse un RMI, RMI en français, ou IMRE, IRM en français. Alors, ils vont là-bas, il dit même s'il vous demande à payer. Ils arrivent là-bas, ils vont voir le professeur, on a été chez un grand rave, le rave a demandé qu'on fasse un IRM. Alors il a dit, écoutez, on a fait un IRM hier, il n'y a aucune raison qu'on fasse encore un IRM. Il dit, si, je veux que vous fassiez un IRM, je suis prêt à payer. L'autre, il a dit comme ça, il a dit, mais attends, je suis prêt à payer, à une condition que ça n'a pas changé la donne. C'est-à-dire que si ça a changé, eh bien, il n'y a pas de problème. Si ça a changé, je ne vous paye pas. Si ça n'a pas changé, je vous paye. Pas de problème, on le rentre au IRM, on sort l'enfant, on vérifie toutes les photos et on voit que l'enfant, Baruch Hashem, naquit rien du tout. Rien du tout à l'intérieur de sa tête. Alors les docteurs, ils sont tous stupéfaits. Ils ont dit, bon, on fait un deuxième IRM. Ils ont dit, à nos frais, pas de problème, ils refont un IRM. Ils rentrent à l'intérieur et là, la même chose, l'enfant naquit. Ils prennent l'enfant et ils l'amènent chez Rav Kanievski. Rav Kanievski, c'est un Baal Mofet, c'est un homme qui est Baal Mofet, c'est un homme qui fait des miracles extraordinaires. Il dit, je ne fais pas de miracles. On dit, waouh, comment Rav, en l'espace de quelques heures, déjà tous, alors que les docteurs, ils avaient dit que c'était quelque chose qui était, maintenant ça a complètement disparu. Il lui dit non, cet enfant-là qui a pris sur lui d'étudier la Torah toute sa vie, eh bien c'est ça qui a fait en sorte qu'il va avoir une vie extraordinaire, matérielle et spirituelle. Première histoire. Deuxième histoire était une fois un garçon qui avait fait Teshuva, Baruch Hashem, il est venu à la Yeshiva. Et lorsqu'il rentre à la Yeshiva, eh bien, et son Rav, son Tsahal lui demande, puisque tu as fait l'armée, tu
il faut que tu fasses des milouim. Tu reviennes pour. Très bien. Il fait les milouim, il va. Et il lui donne à conduire un Hummer. Il conduit le Hummer. Le problème, c'est qu'il renverse tout le monde. Et alors, allez-nous, les deux passagers qui étaient avec un, il est blessé grièvement, et l'autre, il est parti, leur alamo, il est nifta. Bon, ils le prennent en jugement. Qu'est-ce que t'as? Attends, il dit, écoutez, moi, j'ai rien fait. J'avais pas de permis. Ils m'ont dit de. Bon, très bien, on va te mettre au jugement. Alors, ils vont voir l'avocat, commis d'office, il dit, écoutez, ils vont voir les conseillers. Il dit, écoutez, si vous voulez gagner, il faut absolument un avocat qui soit très fort. Pour savoir, cet avocat, c'est beaucoup d'argent. Combien? Appelez-le, voilà, je donne le numéro. Il appelle le numéro, 100 000 shekels juste pour. Bon, alors, allez-nous, ce qui se passe, c'est que ce garçon, il n'a pas d'argent, il étudie à l'Eshiva. Il retourne, il va voir le. Et Rav Kanievski. Rav Kanievski, pas le fils, pas le Rav Haïm, le stapler, Rabbi Yaakov Kanievski. Il arrive là-bas, il me dira, voilà, on me dit de payer un avocat, et que cet avocat-là, il est top, et il pourra m'aider. Pourquoi? Parce qu'il y a un juge, ce juge-là, c'est un juge anti-juif, anti-religieux, et dès qu'il va me voir, il va me. Bon, alors il lui dit, écoute, moi je te dis quelque chose, t'as pas besoin d'avocat, vas-y avec l'avocat commis d'office, et Irachem Hachem, t'inquiète pas, le juge, ça sera un bon juge, magnifique. Ils arrivent là-bas, il dit, vous avez amené un avocat, un bon avocat, il dit, on n'a pas d'avocat, avocat commis d'office. Ok, ils prennent un avocat commis d'office, et l'avocat, il leur dit, écoutez, moi je connais ce juge, c'est un juge qui est anti-juif, anti-religieux, il est anti-tout. D'accord, il est même anti lui-même. Eh bien, si vous rentrez là-bas, vous avez au moins pour 50 penches. Que vous attendez ce, à votre. Bon, malheureusement, ce qui se passe, c'est que il y a quelqu'un qui arrive, un émissaire qui arrive. Cet émissaire, il arrive, il rentre chez le juge. Le juge, il prend son téléphone, il prend ses affaires, il s'en va et il se lève. Qu'est-ce qui se passe? Un juge en plein milieu des. Il s'en va, il se lève. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme du juge, elle a eu un problème à l'hôpital. Vite, le juge, il est obligé d'aller l'accompagner. Vite, le juge s'en va. Et bien sûr, il y a un avocat commis d'office, un juge remplaçant qui vient. Ce juge remplaçant, il vient. Et ce qui se passe, c'est que le juge, il est avec une kippa, des tzitzit. Il est avec une kippa, des tzitzit et... Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce dossier? Il dit, voilà le dossier. Ce monsieur était en voiture dans les Milohim à Tzahal. Il a conduit la voiture et il a renversé la voiture. Il lui dit, mais le juge, maintenant, il prend la défense de cet élève-là. Il lui dit, mais comment est-ce que Tzahal a pu donner à cet jeune garçon qui n'avait pas de permis à conduire un Hummer? C'est à pas quoi, il faut pas du tout qu'il conduise un Hummer. Il a pas de permis. Pourquoi ils l'ont mis là? Lui, il a fait que. Donc il a dit, moi, je ne donne aucune peine à ça. C'est pas de sa faute. C'est la faute à Tzahal. C'est la faute au Katsin. C'est la faute au chef là, de l'armée. C'est lui qui lui a donné à conduire. C'est à lui qu'il faut se retourner. Pas selon le soldat. Lui, le soldat, il a fait ce qu'on lui a dit. Il a essayé de conduire. Il pensait que c'était comme une voiture ou quelque chose comme ça, mais il ne savait pas ce que c'était. Et donc, du coup, c'est pour ça que je lui donne une amende de 100 shekels à payer en plusieurs fois. De là, on apprend, mes chers amis, que celui qui prend sur lui le Ol Torah, eh bien, la Parnassa aussi, elle vient avec. La Parnassa, elle devient aussi avec. Et c'est Bidiouk ce qui se passe. Le Sfat Emet, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, pourquoi est-ce qu'on a appelé le soir du Seder? Pourquoi est-ce qu'on a appelé le soir du Seder? On a appelé le soir du Seder, on l'a appelé des simanim. Pour te dire qu'en vérité, ce que tu demandes, la parnassa que tu demandes à Rosh Hashanah, c'est qu'un petit siman, c'est qu'un petit signe pour pouvoir continuer à venir à étudier la Torah. C'est qu'un petit signe pour pouvoir continuer dans ton expansion spirituelle. Mais aussi non, l'essentiel c'est quoi de ta vie? L'essentiel de ta vie... C'est justement l'étude de la Torah. Maintenant, quand tu viens chez Dieu et tu lui dis que mon essentiel, c'est l'essentiel de la Torah, eh bien, ce qui se passe, c'est que tout simplement, eh bien,
Akadosh Baruch Hu, il te donne et la parnassa, et la richesse, et la joie, et les enfants, et la guérison, et tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que ton essentiel, comme ces deux garçons-là, ils ont pris sur eux d'étudier la Torah. Lui, il a pris, chez Rav Kanievski, Rav Chaim Kanievski, il a pris sur lui d'étudier la Torah, et alors qu'il était petit. L'autre, il a pris sur lui d'étudier la Torah parce qu'il était à la yeshiva. Et j'ai oublié de vous dire que le Rav Kanievski, il avait dit, combien tu vas étudier de temps? Il dit, je sais pas. Il dit, alors prends sur toi, s'ils t'ont mis une peine de 5 ans, prends sur toi que tu vas étudier 5 ans, même si tu te maries entre-temps, tu continueras après le collège. Il dit, je prends sur moi. Il a pris sur lui d'étudier la Torah. Et bien, au Hachem, il n'a pas eu de prison. Et l'amende, c'était une amende ridicule. Et c'est bidux ce que nous, on doit faire. Nous, on doit prier à Kadosh Baruch Hu, une émotion spirituelle extraordinaire à Rosh Hashanah. Et puis après, tout le reste, il va venir. C'est pour ça que quand est-ce qu'on demande la parnassa à la fin quand est-ce qu'on demande la parnassa dans la tfila de Rosh Hashanah? À la fin, it gadal ve it kadash, te'anu, sha'are rahamim, sha'are parnassa tova. C'est que la fin, c'est tout. L'essentiel, c'est toute la spiritualité. Et la fin, c'est juste les bonbons, c'est juste des simanim. Et ça, Bezrat Hashem, que vous ayez en profusion parce que vous voulez diffuser la Torah. Baruch Adonai, le Olam, Amen.